Donc voilà, comme je disais, voilà, c'est Audrey Aléoti, j'ai entendu en plus, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, Audrey. <laughs> il n'y a, a personne qui peut la voir. je l'ai vu que moi. Donc euh, on, était, on était avec Alexa, on l'a vu. Et, euh, et comme je disais, la présentation que j'ai entendue de Audrey sur le vieux port à Marseille, pour moi, ça a été une prise de conscience très simple, de la simplicité de l'activité. L'activité, vous c'est quoi C'est avoir la bonne communication à un maximum de personnes quand vous avez compris ça là, 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 il faut comprendre juste une seule, une seule chose c'est retransmettre ces informations là que j'ai acquis qui fonctionnent à tout le monde autour de moi et c'est là que ça va fonctionner et c'est là que ça va marcher. Et c'est là que vous allez commencer à... Vous devez avoir un focus, comme on le dit souvent, sur la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, la ligne d'arrivée, les présentations, les présentations, les présentations, la ligne d'arrivée, les présentations, la ligne d'arrivée. Parce qu'il n'y a que ça qui va vous permettre vraiment de gagner réellement de l'argent. Il y a trop de personnes, et je parle énormément de ça en ce moment, avec, c'était tout à l'heure, je ne sais plus qui j'ai eu au téléphone, et je disais que des actions qui tournent autour du pot de faire ceci, de faire cela. Et il y a des personnes qui parlent pendant une semaine de faire ceci et de faire cela et de faire cela et de faire cela et de faire, et de faire ces actions-là, alors que l'action la plus essentielle ça va être de présenter l'activité. L'action la plus essentielle ça va être de présenter l'activité client comme distributeur. Et bien évidemment, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, mais Jamel. Pour présenter l'activité à un client, à un distributeur potentiel, ou présenter les produits à un client, il, va, il faut des retours. Il faut des retours. Et je suis totalement d'accord. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas délaisser d'ailleurs les, les actions essentielles à faire au quotidien. Mais il faut avoir cette petite pensée-là qui doit s'agrandir dans votre cerveau d'appeler des clients et des distributeurs par jour. Et si vous n'appelez pas des clients et des distributeurs par jour, c'est très dur d'évoluer. C'est comme si vous faites euh, un pas en arrière, en fait, dans votre business. Et vous devez être constamment focus, penser, vibrer ceci. Et c'est pour ça que je le dis très souvent, et je vais en parler, je vais tout détailler sur la communication c'est que vous devez avoir un objectif. Dès le début du mois, vous devez avoir un objectif. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre business, dès le début du mois quand vous allez savoir votre objectif, quand vous allez avoir la connaissance de votre objectif, c'est ce qui va vous stimuler à faire des appels. Client, distributeurs. parce que quand vous allez vous dire la liste des choses à faire, c'est ceci, c'est ceci, c'est cela, les publications, les messages en privé, les groupes, etc., et que de l'autre côté, vous avez votre schéma du moins, votre schéma peut-être par jour. Si vous faites le calcul, imaginons, si je, je, je dois faire le diamant, combien de GV je dois générer par jour, moi et mon équipe, etc., là, vous allez stimuler la chose de la bonne manière aussi. Attention, ne pas délaisser la première, la, 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 la première, les premières tâches à faire, parce que c'est complémentaire, en fait, les deux. Okay et vous devez le voir. Et moi, j'utilise toujours les... Les propos de Trudeau qui disaient ceci, ils disaient eux, ils rentraient dans une salle, ils regardaient leur objectif, ils mettaient de la musique et, et c'est comme s'ils ils s mettaient en feu pour réussir. Ils pensaient à ça, ils sentaient bien l'idée d'avancer vers cet objectif-là, etc. Donc ça, je considère que c'est quand même quelque chose qui est très, très, très important. Oh, mon sac. Attendez une seconde. Je sais pas où je l'ai mis. Donc là, je vais vous parler de la communication d'un distributeur. Comment parler en fait très simplement à un distributeur Et ce qui est génial, c'est que cette communication-là, dont je suis en train de vous retransmettre là aujourd'hui, c'est enregistré, c'est-à-dire que vous allez pouvoir détailler ça sur du papier et pouvoir le retransmettre. Dia, je me suis dit, ça va Je me suis dit, habituellement, c'est pour toi que j'enregistre aussi, parce que tu n'es pas là. Ah, c'est bien que tu sois là. C'est génial. Donc, alors, déjà. Moi, quand il y a un distributeur qui est face à moi, je lui demande bien évidemment toujours poser un sourire sur son visage. Ça se ressent. Dire voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Et la personne développe. Euh, je travaille dans, dans l'immobilier. Je suis salarié. Je travaille à Carrefour. Je travaille à EDF. Je travaille ceci. Je travaille cela. Je travaille ceci. Je travaille cela. Et à chaque fois, dire à la fin super, c'est complémentaire avec ton activité, même s'il y a une personne qui fait 40 heures par semaine, euh, de lui dire que c'est complémentaire, parce qu'il y a des gens qui font beaucoup plus. Il y a une personne, je crois que c'était Michel Destruel, il faisait à peu près 60 heures par semaine, parce qu'il vivait pratiquement dans sa salle de sport, parce que c'est un entrepreneur C'était un auto-entrepreneur dans, dans, dans les gyms, il a ouvert deux, trois salles de sport à l'époque, etc. Maintenant, il est dans... Quoi, il était dans le MLM, il est reparti vivre à, à, au Mexique maintenant. Mais juste pour vous dire que. Voilà, il y a chaque qui arrive. Nickel. Donc, juste pour vous dire que c'est euh, juste ça, en fait, la, la, la base des bases, des bases, des bases. C'est vraiment retransmettre l'essentiel. Alors, juste, je vais vous présenter, moi, l'activité. Parce que j'ai des notes. <laughs> quand je fais une présentation, d'ailleurs, je l'ai de temps en temps. Des fois, j'oublie. Je sais qu'il y, y a des phrases essentielles à ne surtout pas oublier et qui sont tellement, tellement, tellement importantes. Donc, voilà, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie Laissez la personne parler et ne pas dire. Moi, c'est ce que j'aime pas trop quand il y a des personnes qui ont des retours distributeurs, etc. de dire quand est-ce que tu es disponible moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est directement prendre le leadership et avoir une conscience de se dire... Euh j'ai quand même une grosse opportunité à te présenter. C'est toi qui as de la chance de m'avoir au téléphone et que moi, je sois disponible pour toi. Alors, je suis disponible à partir de 17h. Faire, faire la personne qui est ultra busy, ultra occupée, c'est ultra important. C'est ce qui va vous mettre de la valeur parce que vous devez prendre de la valeur, prendre de la crédibilité. Même si moi, je n'en avais pas au début. Je leur disais, je m'appelle Jamel Chebi je, je, suis, je suis leader de société de marketing. J'étais Ruby Emerald. Après, j'étais en direction du Diamant. OK Donc, déjà, prendre conscience de ça. Voilà, je, je suis disponible euh, à partir de 17 heures aujourd'hui où je peux vous appeler maintenant, j'ai un petit peu de temps. Pas de dire je suis disponible maintenant, je peux vous appeler maintenant, ça prendra juste 5 minutes, j'ai un petit peu de temps. Des phrases comme ça, des phrases qui, qui mettent de la valeur à votre personne. Ensuite, très simplement, parler de, de, la, de la société. E-Dwarf, c'est une société euh, qui existe, une activité en tant qu'indépendant qui, euh, qui existe depuis 20 ans. Donc c'est pas une startup qui vient de se lancer. Et on va voir si ça marche. Ça marche déjà depuis plus de 20 ans, ok? Qui, a, qui font des, des les derniers chiffres que j'ai, c'est 680 millions de dollars en chiffre d'affaires. Ils ont fait plus de 20 millions de clients à travers la planète. Là, la cause numéro un pourquoi une personne ne démarre pas, c'est qu'elle n'a pas confiance en vous. Et quand vous lui donnez des chiffres factuels, là la personne elle ouvre les yeux. Et ça c'est important, ok? Et la société, moi je dis souvent ça, c'est ma présentation, il y a des interprétations différentes aussi, il y en a qui parlent du HSN. Moi je dis toujours, la société l'a explosé dès le début grâce à un produit qui s'appelle le wrap. Est-ce que tu as déjà, mot pour mot, hein, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce wrap de fou qui fait un buzz énorme sur les réseaux sociaux? Oui? Non? Oui? Super. Tu as déjà vu des photos avant, après, etc. Non? je lui explique c'est un patch qui ressemble à une ceinture de boxe qu'on peut appliquer du cou jusqu'aux chevilles et qui affine raffermit tonifie à partir de 45 minutes j'y croyais pas je l'ai testé moi je partage mon histoire personnelle moi je l'ai testé sur ma mère j'ai vu les résultats c'est choquant c'est choquant et mettre de l'intensité comme ça et mettre de la crédibilité parce qu'il y a une phrase qui est très 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 importante dans les présentations de l'activité comme dans la présentation d'un produit c'est c'est une des phrases qui, va, qui peut vous changer la vie si vous l'appliquez. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est comment vous le dites. Ce n'est pas ce que vous allez dire, c'est comment vous allez le dire. Et même toute la communication là que je vous donne, si elle n'est pas parfaite, si vous le dites avec une haute vibration, une haute énergie, là, vous pouvez faire quelque chose de fou. Okay Donc, développer voilà, du, du coup jusqu'aux chevilles, résultat à partir de 45 minutes, etc. Les résultats sont progressifs sur 72 heures. Donc, il y a une large gamme de produits derrière. Vous, parlez, vous pouvez parler des produits pour vous qui ont le plus de valeur. Moi, je parle du HSN, produit pour la repousse capillaire. C'est un des produits qu'on que, qu vend le mieux aussi, le HSN. Ensuite, je rentre directement sur le plan de rémunération. Je ne vais pas te partager énormément de, de plans de rémunération. Je vais t'en expliquer deux. Tu auras de bonnes surprises derrière. Donc, premier plan de rémunération, déjà, sur les produits, quand tu fais des ventes directes. Tu prends en moyenne 40% sur les ventes. C'est énormissime. C'est énormissime. Et avec ces. Et parce il y a des gens, peut-être, qui doivent dire, mais c'est. La communication, elle est plutôt moyenne, plutôt comme ci, plutôt comme ça. J'ai bâti. On a un réseau de. de, de on a fait un, de, des dizaines de milliers de clients. Moi, j'ai bâti dans mon réseau euh, les distributeurs avec cette, cette communication que je vais vous partager là, hein, ce soir. Donc vraiment, ouvrez vos oreilles et appliquez. Pas appliquer sur 5 personnes et faites votre bilan. Appliquez sur 50 personnes. Regardez ce que ça donne. Accompagnez-les. Il y a aussi des, des, des accompagnements, etc. à faire. Donc, c'est quelque chose qui marche. Sinon, je ne vous le donnerai pas. Parce que mon objectif, c'est que vous évoluez pour que j'évolue. Ensuite, donc, 40% sur les ventes directes, etc. Ensuite, on n'explique pas les, les différents types de clients qu'on peut faire. Le deuxième plan de rémunération, et là vraiment, j'augmente encore l'intensité, de dire, c'est la chose qui m'a le plus intéressé. C'est la deuxième partie de notre travail. Là, je vous lis vraiment les notes. C'est la deuxième partie de notre travail, c'est du recrutement. Il faut juste trouver des personnes, des personnes qui cherchent à arrondir leur fin de mois. Et de poser des, des questions aux gens, de leur poser des questions. Est-ce que tu connais des personnes qui souhaitent s'affiner autour de toi Tu es d'accord avec moi qu'on en a tous Influencer aussi la réponse parce que des fois les gens ils vont vous dire non, alors que bien évidemment tu connais, tu, 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 tu regardes ton répertoire, les dix dernières personnes à qui tu as parlé, bien évidemment il y a obligé au moins deux personnes, trois, voire des fois c'est six, sept, tout <laughs> dépend de son entourage, mais qui veulent s'affiner à partir de 45 minutes. Ok, et ben, je pense qu'il y en a dix sur dix qui veulent avoir un petit complément de salaire, donc vous leur posez la question est-ce que tu connaîtrais des gens qui seraient intéressés par 300-400 euros par mois en plus de leur salaire tout le monde est on est tous d'accord que c'est oui la réponse normalement. Euh, à part c'est si, après ce que je leur dis c'est à part si habites à Monaco c'est une phrase que j'ai repris encore de Fabien Rosso c'est Fabien qui disait ça à part si habites à Monaco qui se jette des Rolex sur la tête quand ils se disputent mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc voilà alors c'est très simple voilà imaginons tu as une copine qui s'appelle Sonia Eterniti Sonia Eterniti va intégrer ton équipe et à chaque fois que Sonia va faire des ventes tu vas percevoir un pourcentage. Imaginons Sonia en six mois d'activité. Elle va développer 30 distributeurs. Toi, tu vas être rémunéré sur 30 distributeurs. Sonia, plus les clients qu'ils vont tous générer. Là, ça commence à devenir lourd. Là, ça commence à devenir très, très intéressant. Là, ça va parler à la personne. Okay Après, de leur dire, en sachant que les 30 personnes vont à leur tour. Recruter des gens parce qu'eux eux aussi veulent agrandir leurs équipes, leur équipe. Okay Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ce qui est très puissant aussi à dire, je vais vous parler de la, de la licence et ensuite je vais vous parler de cette phrase-là. Donc, après, lui poser une question, tu es d'accord avec moi que je n'ai pas le droit de me mettre en bas de chez moi et de vendre des produits comme ça dans la rue, je serais dans l'illégalité. Oui, des lois en France. Parce que pour pas que ça soit bizarre, parce qu'il y a des gens, vous savez, ils ont peur de payer 140 euros parce que vous l'expliquez mal. Parce que vous l'expliquez mal et parce que vous n'êtes pas dans les détails. Et ça, c'est un détail qui est, qui est pour moi très, très important. Donc, tu es d'accord avec moi que j'ai McDonald's, je n'ai pas le droit d'acheter des hamburgers à McDonald's et les revendre à la rue. Il faut une licence. Ok. Tu es d'accord avec moi que je n'ai pas le droit d'être chauffeur de taxi? et voilà, de ramener les personnes d'un point A à un point B. Il y a des lois en France, tu es au courant. Donc là, moi, vu que je suis dans la légalité, je dois m'acquérir une licence de distribution. Euh, la licence, c'est comme si tu vas être chauffeur de taxi, sauf que la licence, elle coûte plus de 100 000 euros. En moyenne, elle coûte entre 100 000 et 150 000 euros. Par, euh, nous, ce qui est génial, c'est que la licence, bon, et tu dois payer la voiture, et tu dois payer l'assurance, et tu dois payer les frais pour la voiture. Nous, ce qui est bien, c'est que tu la payes dans les 140 euros en moyenne. Et ce qui est bien, c'est que tu as à peu près 140 euros de produits, si je ne me trompe pas, je sais que ça varie, mais à peu près c'est ça, 140 euros de produits. Et ce qui est bien, c'est que les produits que tu reçois, on est d'accord que peu importe le temps, les produits, tu les revends, tu es, es remboursé. On est d'accord Donc tu les revends, tu es remboursé. Et ce qui est génial, c'est que... À partir de ce moment-là, tu ne peux que gagner de l'argent avec cette activité. Et je peux même te dire une chose il y a des gens qui valident des clients parce que si tu démarres maintenant, tu as ton site internet maintenant, tu peux valider des clients dans les prochaines heures. Et avant même commencer à générer du chiffre avant même de recevoir tes produits. Tu vois Parce que c'est une bonne nouvelle aussi pour toi c'est que tu n'as pas besoin d'acheter à chaque fois les produits pour les revendre. Imaginons, il y a Elise et Fredo ils veulent faire un programme ils vont sur mon site internet. Ils commandent les produits, la société leur envoie directement les produits. Tu as, as besoin de t'occuper de rien à part de leur recommander. C'est tout. Ce qui est génial aussi, c'est que toi, quand tu démarres, je ne gagne rien. C'est quand tu commences à gagner de l'argent que je commence à gagner de l'argent. Et ça, c'est un système d'entraide, c'est important pour nous. Ça, ça vous fait, ça fa ça fait partager les, les valeurs un petit peu du système. Ce n'est pas de, euh, OK, voilà, je prends Johanna, je la mets à McDo, je la mets à la caisse et euh, je prends un salaire sur elle. Et peu importe ce qu'elle fait de chiffres, je m'en fous réellement, elle a le même salaire. Vous voyez, ça c'est important, c'est un système d'entraide, donc plus je vais t'aider à évoluer, plus je vais évoluer. Bon, il n'y a absolument rien à perdre, ça je l'ai déjà dit, tu rentres dans ton bénéfice sans pratiquement même avoir commencé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une personne, réellement, quand on se lance dans un business, ils investissent plus de 100 000 euros. Mon oncle, je sais qu'il a investi à peu près 87-85 000 euros pour son alimentation. C'est très cher. C'est très, très cher. Et ils mettent du temps pour se rembourser. C'est un système d'entraide, c'est important pour nous. Il n'y a pas d'engagement. Ça, c'est très important. Il n'y a rien à perdre. Ensuite, tu commences à faire du chiffre. Moi, c'est vraiment la perception que j'ai eue de cette activité-là aussi. Hein, et de le comprendre. Parce qu'il y a des gens qui disent oh, Mais c'est pas vrai tout ce que tu dis, Jamel. » Pas d'engagement. Tu as envie d'arrêter de hit work, tu arrêtes du jour au lendemain. C'est un système d'entraide. C'est important pour nous. Je vous rappelle juste les bonnes choses qu'il y a en fait. Donc après, voilà. Tu... Après, voilà, pour le recrutement, tu cherches des personnes qui veulent un complément de salaire. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Après, tu termines comme ça. Tu es dans ton propre projet. Tu n'es pas dans le projet de quelqu'un. La seule manière d'avoir des résultats dans la vie, bien évidemment, c'est de passer à l'action. Aujourd'hui, il y a ceux qui veulent gagner de l'argent, ils travaillent. Ceux qui veulent réellement s'enrichir, ils mettent en place un réseau. Et voilà. Donc, on va appeler pas mal de personnes après toi. Tout dépend de ta motivation et de ton engagement. On a la possibilité de placer des gens dans ton équipe parce que je le répète, si toi tu ne gagnes pas d'argent, nous on n'en gagne pas. Et, et donc, voilà, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi, on peut démarrer maintenant. Il y a des gens, ils ont peur de sortir cette phrase-là que je viens de dire. On dirait les gens, ils veulent les manger. Si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. On peut démarrer là maintenant tout de suite. Si c'est OK. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de démarrer? Ça, c'est une phrase aussi qui a fait démarrer tellement de personnes. Euh, ben, rien. Ben, let's go, on démarre. Carte vitale, carte bleue. Je vois le site ou tu veux que je le fasse de mon côté. Let's go. OK. Et là maintenant, je vais vous partager la communication client. Alors, la communication client... Je mets beaucoup d'urgence, moi. Moi, je mets beaucoup, beaucoup d'urgence quand je parle aux clients. Et énormément d'urgence. Parce que je veux savoir, en fait, je veux surtout pas perdre mon temps. Je sais ce que j'ai entre les mains au niveau des produits, je sais que je, ce que j'ai entre les mains au niveau de l'activité, après je rajoute certaines choses. Hein. Moi, au niveau des, des, des distributeurs, ce que je leur dis des fois, je leur dis, écoute, la présentation d'affaires que je suis en train de faire là, je vais la faire à 20 personnes derrière. Et je prends 4, 5 personnes dans mon équipe. Pourquoi Parce que je ne peux pas prendre 30 personnes dans mon équipe et les accompagner sur le terrain pour appeler les clients et appeler les distributeurs avec eux, tu vois. Et je veux t'accompagner de la bonne manière, je veux être disponible pour toi. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est des phrases. Vous n'imaginez pas à quel point ça, ça vous met en valeur et ça vous fait glisser tout. Après, attention, vous, vous allez voir que, comme on le dit souvent, la répétition est mère de chaque succès. Vous ne pouvez pas euh, faire la première présentation comme ça, parfaite. Moi, j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété, j'ai pris. Vous avez tout ce que je vais vous retransmettre. Là, c'est enregistré. Mettez-le sur une feuille. Utilisez tout. Ne passez à côté de rien. OK Présentation. Client. Alors, je reprends encore mon. <laughs> parce que ce que j'avais. Ce que j'ai toujours d'ailleurs qui est là. C'est le protocole client. Protocole client. <laughs> On va rester sur le, sur le WRAP. Donc, donc, très simplement, voilà, déjà je leur dis, j'ai reçu une tonne de messages. Après, c'est un produit qui fait un gros, gros, gros buzz sur les réseaux sociaux. Et j'ai plus beaucoup de place en client VIP. Bien évidemment, on doit les fidéliser, les gens. Vous savez, on doit les fidéliser, les gens, et leur parler vraiment de, 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 de prendre un maximum de programmes, de ne pas dire client fidèle. Clients fidèles, ils vont, dans leur tête, ils se disent Je vais prendre un, un programme sur combien de mois Il faut leur dire client VIP. Moi, je préfère être un client VIP, Very Important Personality, <laughs> parce que c'est les abréviations de VIP, que fidèle. Alors, il va me traîner sur combien de mois, lui <laughs> Tu vois Et de, voilà, de dire, si c'est sur le bras, quelle partie de ton corps tu souhaiterais améliorer Parce qu'il faut avoir une communication avec les gens. Pour, quand, vous prenez les, la, euh, la, quand vous posez des questions, c'est comme si vous preniez la température sur les, sur les gens. Et d'ailleurs, Nico, je ne sais pas si tu es Dispo ou Sonia ou Sandrine ou si vous souhaitez rajouter des phrases clés, que ce soit au niveau des clients, euh, comme distributeurs, mais plus on va dire sur les clients. N'hésitez pas à me faire un petit signe ou lever la main. Et donc voilà, moi je dis, quand je parle du HSN aussi, c'est des, des phrases importantes, il y a eu sept ruptures de stock quand il est sorti en novembre, et c'est une réalité. Il y a eu, vous imaginez pas, quand le HSN il est sorti, on ne pouvait pas l'acheter, ça ne pas à un aussi gros boom en France et ça vous devez le dire vous devez le dire je me rappelle c'était en novembre quand il est sorti cette rupture de stock c'était incroyable et hsn aussi sophie c'était une cliente qui m'avait commandé les produits juste pour pouvoir les revendre c'était une coiffeuse il y a des gens qui, pour vous dire, à ce prix-là, auquel je vous le propose, il y a des gens qui les achètent pour les revendre. C'est juste un truc de fou. La livraison standard, c'est 12 jours. VIP, c'est une semaine. Là, moi, j'ai à peu près 7 places en client VIP. De base, je termine les appels à 17h. On est parti jusqu'à minuit. Euh, si tu veux, on peut commander là tout de suite. C'est rare. Le TFX, pareil. Quand il est sorti, rupture de stock. C'est la communication que vous devez avoir. Là, on ne s'arrête pas, on est débordé de messages. Il y a trop de gens qui parlent et qui sont calmes. Les amis, je vous dis vraiment un truc qui est important pour moi et je vous le dis avec le cœur. Il y a votre vie qui est en jeu dans cette activité-là. Et je vous le dis sincèrement parce que ma vie, Edouard, je ne considère pas que ça m'a changé la vie. Je considère que c'est réellement, et je vous le dis sincèrement, venez à Marseille, vous allez voir ce qu'on a fait. Ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Edouard. Donc, c'est pour ça que je vous le dis, et c'est quelque chose de fou que vous avez entre les mains. Et moi, je, je reste jusqu'à minuit, minuit et demi, deux heures du matin, parce que je sais ce que j'ai entre les mains. J'ai une boule de, de business de malade. Il faut que je le retransmette à un maximum de personnes, parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est un des business les plus lucratifs au monde et qui, qui, qui peut te permettre d'avoir un style de vie juste à part entière, parce que je vois toutes les sociétés de MLM autour de moi. Que ça soit moderne, les... Trouver une personne qui gagne un résiduel en ce moment avec ces sociétés-là, il n'y en a pas. Un résiduel. Fabien Rousseau, là, des il est en train de me parler là, de. Je vous jure, si je vous montre les conversations que j'ai en ce moment avec Fabien, c'est des villas de fous qui coûtent des millions ou des hôtels cinq étoiles où tu prends des chambres et ça coûte des prix dérisoire, c'est à Dubaï, là, regardez, on, on, c'est des trucs de fou, des paysages incroyables. Et on parle de c'est on dit, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. J'imagine, Diamel, je ne fais rien des fois par mois, parce que j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de m'y mettre, et je touche des 10, entre 10 et 15 000 euros par mois. Je sais pas si vous prenez conscience. Et c'est possible pour vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Sonia, n'hésite pas à me dire, j'ai vu que tu as mis un oui tout à l'heure. Si tu veux partager vraiment, je sais que tu as des, des phrases euh, qui, sont un petit, qui sont bien, 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 bien impactantes. Vas-y, je Coucou à tous Coucou. Alors, <laughs> oui, moi, je voulais juste partager quelque chose. Bon, je sais que tu en as parlé plus au début de tout ce qui est euh, recrutement, etc. Et euh, c'est vrai qu'on l'entend souvent que les distributeurs disent euh, Je n'arrive pas à recruter, euh, bah, les gens, ils ne veulent pas payer. Mais en fait, comme disait Jamel, vraiment, si vous le prenez comme une opportunité qui va changer leur vie, bah pour eux, même mettre 300, 400 euros, euh, je vous jure, ça va être un jeu d'enfant. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Dites-vous qu'il y a des personnes qui démarrent avec des packs, et avec des produits. Bien évidemment, s'ils démarrent à la licence, c'est très, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mots qui permettent justement de faire comprendre à la personne bah, que c'est l'opportunité de sa vie. Et moi, je sais qu'il y a une phrase que je dis souvent. Il y a souvent des personnes qui démarrent avec des produits, je vous jure, c'est magique, à la fin. Une fois que, bien sûr, la licence est signée, que j'ai toutes les impôts, je lui demande juste combien de bénéfices de vente elle souhaite faire le premier mois. Et en fait, cette phrase, elle est toute bête. C'est juste le contraire de euh, « tu veux prendre des produits pour 400, 500 euros ?» Là, la personne, elle va tout de suite vous dire non. Elle démarre une activité, euh, vous lui demandez de mettre 400, 500 euros, euh, voilà. Bah, en fait, tout simplement, vous lui dites combien de bénéfices de vente t'aimerais faire. Et là, les gens, ça les fait rêver parce qu'ils disent « ah ouais, bah, 300 euros ce mois-ci » ou « on va commencer par 200 ». Et là, ce que je fais, c'est que je dis, bah, c'est super. Moi, ce que je te propose, c'est de prendre bah, deux HSN, un thermofite. C'est des produits qui se vendent super bien. Tu vas pouvoir les revendre à ton entourage. On va faire une petite brave partie. Et, euh, et tu verras que là, bah, ça va te faire tant de bénéfices. Et en fait, c'est un truc qui est vraiment. Euh, c'est des petits mots-clés. Et comme disait Jamel, c'est comme pour les clients fidèles. On ne dit pas client fidèle, on dit client VIP. Mais il y a quelque chose aussi que j'avais remarqué. C'est que des fois, quand je disais, bah, tu as un abonnement de trois mois, et en fait, j'avais une mauvaise communication. C'est que je disais au client, tu vas être engagé et tu auras en fait un paiement tous les mois. Et là, la personne, en fait, bah, tout de suite, vous lui parlez d'engagement et tout, elle a un peu plus de mal. Tandis que si vous lui dites que c'est un programme, et il y a aussi une phrase, moi, je sais qui fonctionne très bien, c'est que je lui dis, par contre, ce qui est trop bien, c'est que tu ne vas pas payer les trois mois d'un coup. Heureusement. Chaque mois, tu payeras en fait euh, ton programme et tu le recevras la semaine d'après. Donc, c'est vraiment une question de communication, c'est exactement la même chose. Mais euh, c'est juste que derrière, bah, la personne, elle va le percevoir autrement. Et c'est pour ça que des fois, ça un de se mettre des barrières et il faut bien les noter, ces petites phrases-là. Parce qu'au début, c'est vrai que nous, comme Jamel, moi, je les regarde encore. Hein. Quand je fais une présentation, euh, c je ne suis pas parfaite. Hein. Il me faut ces mots-clés à côté. Et surtout, moi, ce que je fais aussi, bah, ça, je l'ai appris de Jamel, c'est de, de faire dire à la personne un maximum de « oui ». C'est-à-dire, voilà, si je parle de l'opportunité, tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, avec l'inflation, c'est compliqué, oui. Et en fait, plus la personne va dire oui, 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 elle va se rendre compte elle-même, en fait, que ce soit pour les produits ou que ce soit pour l'opportunité, que vous lui proposez quelque chose qui va, en fait, changer sa vie, dont elle a besoin. Et que ce n'est pas vous qui avez besoin d'elle, qui lui courez après. Il faut vraiment que dans votre discours, vous le ressentez. Et s'il vous plaît, quand vous parlez de la licence, ne tremblez pas. Ça, c'est un truc aussi. Euh, oui, alors euh, en tête fait pour démarrer. Non, soyez sûrs de vous, c'est un truc de fou. Elle n'a pas à payer 124 euros euh, ou 150 euros. Comme disait Jamel, là, il y a des gens qui démarrent des entreprises, ils sont déjà euh, endettés. Nous, c'est juste pour pouvoir faire des revenus de fou. Tu as juste 150 euros de licence et tu reçois des produits qui te remboursent. Donc, il ne faut pas être stressé, il faut se dire que c'est tout à fait normal. Enfin, voilà, Moi, je voulais dire ça. C'est vrai que c'est 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 pouvoir la normalité dans l'activité la, dans et, et on, je me rappelle j'avais assisté sur une, à une formation sur l'intention et votre intention elle doit être très 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 importante il y a trop de personnes qui ont une intention ils vont faire une présentation de l'activité ils pensent à la première chose et ça c'est toutes les personnes qui ne valident pas de distributeur elle, elle va la première chose qu'elles se disent vraiment vous dites ceci vous dites euh, il se peut qu'elle ne démarre pas, il se peut qu'elle ne va pas démarrer. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle ne va pas démarrer. Et c'est vrai ou c'est pas vrai Parce que et, et, dans les années 60, Ernain il disait ceci, tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent. <laughs> Fé félicitations, tu as totalement raison, la personne ne démarrera pas. C'est pour ça qu'il faut. Moi, quand je présente l'activité, déjà, je... c'est fou, mais c'est dans le cerveau, c'est j'ai la plus grosse opportunité au monde à qui je vais présenter l'activité. Elle a la, la chance de m'avoir au téléphone. Vous devez vous mettre dans cette intention-là. C'est une intention qui peut vraiment, vraiment changer les choses. C'est votre perception qui va créer la réalité derrière. Quelle est votre perception aujourd'hui de votre business Quelle est votre perception de vos propres présentations parce que c'est un tout. OK